C'est top 1, c'est 10 points. Top 5, c'est 2, tu sais, un truc comme ça. Et après, un kill égale un point. Mais du coup, il y a combien d'équipes qui Et vont se faut faire qualifier 10 demain? games. Ok. Je crois que c'est le top 20, top 50, top 25, je sais plus. Oh, et là, t'es où là? Non, mais là, nous, on a fait 44 points. Mais genre, le Ok. top 100 mondial, parce qu'il faut enlever les étrangers et tout. Donc, français, c'est peut-être possible. Le top 100 mondial, il est genre à 91 points. Et en Hey, vrai, c'est pas non plus inaccessible, hein? du coup, c'est si on était régulier, c'était faisable quoi. Faut juste s'entraîner. Je crois que Kevin a 78 points, je sais plus. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Juste Et comme j'étais en ça. mode, mais c'est possible. Bah ouais. Après, moi, pareil, Kevin, je lui ai dit, si tu veux, on le fait ensemble, hein. Il m'a dit non, Ouais, mais toi, tu joues pas à Fortnite? Si, je joue. Bah, je joue. J'ai repris là sur la saison parce que je kiffe bien et que je sens construit. Et en vrai, je suis pas non plus une bite, mais j'ai pas la prétention de faire la compétition. Alors, le setup, bon bah je vais. Il fait 8 degrés sur la piste. Let's go! Je vais assumer mon choix. Hein. Hop! J'ai envie de voir ton avis sur Aston Martin qui commence bien et qui termine comme des merdes. Bah, c'était prévisible. Maintenant, je pensais pas que la chute allait être aussi grosse pour Aston, mais ça va, ils ont réussi à rattraper un petit peu au Brésil. Donc ça va. Bon bah on y va hein. En intermédiaire, hein. Exactement. Alors j'ai vu que ça consommait pas beaucoup ici, hein, en termes d'essence. Oui, j'ai remar... je m'attendais à ce que ça consommait justement moi sur la ligne droite. Comme t'es facilement au rupteur, mais en fait non. Ouais, exactement. Donc je vais pas toucher. En fait moi j'ai lancé un Grand Prix avec des bottes. J'avais mis Ouais. plus 2. Genre plus de Ouais. tours. Et au bout de 18 Ouais. tours, j'étais encore en plus 2. Genre vraiment, ça ne bougeait pas. Bah c'est pareil, où je compte partir en négatif. Ah, carrément. Ah, pas moi. Ouais bah il y aurait ces petits quarts. Enfin ouais c'est un petit négatif, hein. C'est genre je pars à moins 0,0,10 quoi. Est-ce qu'au final le GP de France 2019 ce n'était pas si mal? Pourquoi tu me parles de ça? Oui mais pourquoi tu me parles de ça? Yo Tiger, ton setup? Ouais je pense que le tien est mieux que le mien. Hein. Moi j'ai un setup vraiment full appui. Hein. Et moi c'est l'inverse, deux écoles aujourd'hui. Voilà. Là on Petit est peut-être setup deux Mercedes. SADJ. On est peut-être deux Mercedes mais on n'est pas les mêmes. Hein. Voilà. Frérot mais pas trop quoi. Voilà. Mais par contre faut qu'on joue les aspirations aujourd'hui. Hein. Faut qu'on joue teamplay. Parce que Hein? Pierre-Jacques il m'aspire, moi. Non, hé, fais pas le bâtard. Ouais mais comment on se time? Parce que moi aussi je veux la speed du coup. Hein. Oui, mais je te la passerai aussi. En fait, sur le même run, un peut se passer à spi, le second aussi. Ok, mais tu connais les timings? Non, ça se travaille pas Moi, quand forcément. j'ai vu qu'il y avait Tom et Alex, je me suis dit, bon, bah, ça sert à rien de bosser les timings. Ils vont être devant de toute façon. Oui, ils sont devant, mais après, en qualif, avec l'aspiration, on peut, hein. Vas-y, moi je pars en inter, hein. Parc fermé, c'est pas grave, go. Ah, Razine est chaud, il est en 30,7. Et Meraki aussi. Et après, Alex et Tom, je sais pas, mais ils sont toujours rapides. JB, il est en 31,0. Tiamet, il est en 30,9. Moi, sur un très bon chrono, je peux faire un 30,8, mais. Mais bon. On n'est pas parti pour ça, quoi. Je vais te filer l'aspi sur ton tour d'inter, t'iras me choper ce point. Là, Ah t'as bah été bien merci. timé. Pas pour me la donner, mais pour que moi je te la donne en tout cas. Bah maintenant là t'es pas en tour là. Si, mais là je vais me faire gêner. Oh, y a beaucoup de gens en effet. Pourquoi les intermédiaires? Parce qu'il y a un championnat intermédiaire. En gros, à chaque début de Q1, on fait un run en intermédiaire et le plus rapide a un point. Donc chaque point est important.
Je n'aime pas l'aspi, moi. Ah oh, putain, je suis P3 en inter. Pas mal hein, déjà. Hein. T'es où toi là sur la carte, je te vois pas. Je me lance. Ah ok, vas-y, je vais aller me placer sur la giga ligne droite. Salut Gaga du Luxe, ça va et toi? Pas un tour ça. Ce sera pas un bon tour du tout. Ah ouais, c'est mort? Ah ouais, je me suis complètement pété. Ah ouais? Bon, je vais quand même te la filer dans le doute, mais. Parce que je me dis, si jamais je t'enfile une vraie belle. Bon, c'est un tour de ce gars. T'es trop loin, t'es trop loin. Nickel. Je vais à gauche hein. Bon alors celle-là elle est incroyable. À gauche. Oh nickel. Pas 358, let's go. Combien? Je freine aussi hein. 58. 58? 358 ouais. Ouais bon tu l'auras pas. Pourquoi? Bah je suis au-dessus sans aspi hein, avec mon setup. Ah bah c'est sûr, bah c'est pour ça que c'est bien. Oh mon tour est abominable. Ouais je pense. T'es combien? Je suis 12ème. 38-2. Ah belle aspi, belle aspi. 12ème. Ah mais l'aspi est ouf hein, mais c'est juste que j'ai merdé tous les virages. Mais ce qui est dingue c'est que même en foirant le début, tu peux quand même filer une belle aspi, donc imagine si tu réussis toute la ligne droite sous aspi. Ça aurait été fou hein. Tu prends combien en fin de ligne droite? Je suis à 360. Je pense que je tape les 350. Les 360. Non, le max c'est 366. Ouais mais avec 0-0. Non, avec en course avec l'ERS plus DRS activé. Et c'est à dire que le moteur ne va pas plus haut. Genre c'est quoi qu'il arrive. Un peu le petit spin en tout cas. Attends, je veux bien, j'avoue que. Laisse-moi voir, du coup, vitesse de pointe 356 pour toi, Michi 359, Chase Noy 354, du coup, tu peux voir qui a des setups légers ou pas. Genre, 359, ouais, pour moi, c'est setup léger, tu vois, Michi en léger. Savzo 356, enfin, je veux bien de l'info sur les autres. M, non. Bah, en fait, je me dis que les médiums vont être importants durant la course. Donc j'ai pas envie de les utiliser. En fait là on va avoir beaucoup d'arrêts durant la course. Limite tu foires ta qualif, t'es mieux. Je pense que limite tu foires ta qualif, genre tu sors en Q2, t'essayes de te placer 11ème, t'es limite dans une meilleure position. J'ai pas raison ouais, la team. Pas jusqu'à là. Hein. Bon, en fond je suis d'accord mais on va faire exprès d'être P11. Ça c'est une spéciale tombe ça. Oui. Secteur 3, ah secteur 3 je mets 3 dixièmes à JB. Attends, secteur 3 c'est la ligne droite ou pas? Ouais ouais. Ok. C'est la deuxième bout de ligne droite. Enfin c'est, oui c'est ça. Bah Alex Guillon il a bouffé quoi frère? Son secteur 3 il met 6 dixièmes. Il est en soft. Ah oui c'est vrai. Pardon. T'inquiète t'inquiète. Bah je sors. Non, on peut pas les utiliser, Taser. Les pneus de Q3, on peut les utiliser qu'en Q3. Imagine le cheat code. Non, non, mais là, je vais faire mon tour en soft. Je sais que je passe en Q1 sans forcer, forcément. Normalement, si je fais pas d'erreur. Hein. Puis on verra. Et puis après, bon, la Q2, on fera. On essaie. Je sais même pas si les pneus usés vont servir.
Let's go. Bon, cette fois-ci sera meilleur le chrono. Hein. Putain, mon tour intermédiaire était abyssal. Ah, j'aurais pas le tour intermédiaire. Hein. Ça m'attend que ça joue. Au pire, va pas en Q3, donc Pédis, c'est fait pas de run. Mais je me pose la question. Est-ce que c'est pas mieux de partir dernier ici, quoi? Ah ouais. Le Viska. Non, je pense que ici, on veut maximiser la qualif. Hein. Tu sais que Vegas, la dernière fois, quand j'ai fait top 5, j'étais P20. Hein. Bah ouais, moi aussi, mais parce qu'il y a eu beaucoup de safety car et parce que c'était le début du jeu, donc les gens savaient pas trop ce qu'il fallait faire en stratégie. Ah, les gens sont mieux, hein. C'est vrai. Ah, ça tryhard, hein. T'es où là? Je suis à la fin de la ligne droite. Ah, tu vas t'élancer? Ouais. Ok. Allez, je me mute. Je me suis un peu foiré ici. Non, pitié. J'espérais une aspi. On va voir. J'ai tapé le vibreur, putain. J'espère que ça passe. Parce que j'ai peut-être perdu 3 dixièmes là. Ah, j'ai foiré la fin de mon secteur. Mais là, en fait, je me retrouve pigeonné. Parce que c'est moi qui lui file l'aspi à chaque fois. Mais non, je suis en tour lancé, là. Ouais, mais moi, j'ai pas eu d'aspi. En intermédiaire, je vais te la passer après. Non, mais là, t'es en tour lancé en soft. Oui, mais tu vas passer l'aspi en intermédiaire. Je t'ai pas demandé d'aspi là maintenant. Mais on fera un chacun en Q3. Ouais. T'inquiète. Je pensais le dixième par hasard. Quand t'es un 4 tu 1. Je crois que je passe pas. Parce que combien? Je suis P10, j'ai foiré ma fin un peu. Je veux refaire un tour? Ouais, je vais peut-être en refaire un, je sais pas. Pour faire un tour, je mets les intermédiaires, je te passe la spi, hein. Arzine, depuis qu'il est sur PC, il est devenu rapide, hein. J'ai ça, chérie, j'ai ça. Ouais, 31-4. Mon tour paraissait pas forcément immonde, mais... Là, t'es en tour lancé, là. Non, je rentre au centre. Ah. On était sur le même timing, en fait. Ah, mais là, j'allais te donner l'aspi, en plus. Ah, oh, je rentre au stand, là. Je rentre et ressort tout de suite. Je sais pas, hein. J'ai envie d'assumer en me disant, au pire... J'aurais des pneus neufs. C'est quoi ton chrono? Une 32.6.
32-6, c'est excellent, ouais. Non, mais il est mauvais, genre j'ai vraiment foiré la fin, quoi. Genre le pif-paf-pif. Ouais, j'ai touché le vibreur de le premier. Ah ouais, ok. Du coup, ça m'a déséquilibré. Je sais pas. Et au pire, comme tu l'as dit, hein, tu fais exprès d'être éliminé quand c'est au pire, au pire. Ah ouais, au pire. Au pire. Au pire des cas, j'ai tous mes trains de pneus sauf quoi. Est-ce que j'ai celui de la Q3 ou pas? Bah non. Bon, ah bah oui, vu que celui de la Q3, tu l'utilises. Non. Donc dans tous les cas, j'ai deux trains de pneus neufs. Donc en fait, mon truc sert à rien. Attends, laisse-moi voir la diff là. Je suis P10. Oh, ça se joue à rien. Ah, c'est le pif-paf qui me nique. Il y a Devil, il y a Taco qui s'est foiré. Et il y a encore 4 mecs qui n'ont pas fait leur tour en inter. C'est les 4 plus rapides. Les 4 qui vont foutre P14. Plus pratique. Ouais, bon, je suis... Oui. Tu ressors ? Est-ce que tu ressors ? Parce que faut que tu me dises, hein. Je ressors. Pour aspi, hein. Je ressors avec les mêmes pneus. Je ressors avec les mêmes pneus, nique sa mère. Ok. Faut que je sorte aussi du coup. Hop. Port intermédiaire. Nurel au circuit, ouais. T'inquiète. Oui, Razine et manette. Manette à étrage. Mais bon, ça se passe. Tu veux pas que je te passe la spi? Si, vas-y, hein. C'est toujours un bon bonus. Hein. Surtout que je suis en pneu usé, donc. Bah là, t'es peut-être sorti un peu tôt. T'aurais dû sortir au dernier moment, mais là faut vraiment que tu sois lent. Ah bah ouais, je sais, mais bon, on va me péter les ronds quoi. Pardon. Bah c'est pas grave, tu dois juste rentrer dedans, je peux pas faire mieux quoi. Tu dois juste donner la speed, t'inquiète, c'est pas grave. Après j'ai passé une méga speed vu que j'ai un rond cassé du coup. Waouh, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, dans mon chat, j'ai un mec qui s'appelle CheatEngine.exe. C'est tout. T'es où du coup là? Oh, je lance mon tour avec des pneus trop froids. Oh putain, la vache. Est-ce qu'il va être compliqué là? Tant pis! Le bot va prendre le pôle, t'es trop loin, tu vois, t'aurais dû sortir avant. Ah oui. Ouais, mais t'étais dans les box avant, tu pouvais pas sortir mais avant. Non, pas avant, je veux dire. T'aurais dû lancer ton tour, enfin sortir des stands avant que ça discute, tu vois. Moi je lançais mon tour. Ouais, je comprends. D'ailleurs, t'es parti trop tôt. Ouais, du coup, c'est le bot qui prend mon. Tranquille, je suis en train d'améliorer, on verra. Au moins, j'ai cassé un mec, j'ai cassé Mati. Tu pourras pas améliorer. De toute façon, si je réussis le pif-paf, j'améliore là, avec les usés. Vous êtes sûr que je passe? Bon, dans le doute. Ah, je l'ai encore foiré, hein.
Ah ouais, j'étais le dernier à passer la ligne, putain. Ouais, bah du coup, je Et pense tu passais large, hein? Bah, j'avais peur quand même. Non, j'étais juste devant Tom. Donc je passais, j'étais P14 quoi, c'est pas large. Améliorer là? Ouais, j'ai amélioré. Oh, ok. Mais c'est pas grave, pour économiser les pneus, la Q2, je vais la faire en one shot, hein. Hop. Si si Jason, c'est juste que j'ai loupé. J'ai été déséquilibré, encore une fois j'ai glissé. Mais sinon si si en temps normal je le fais. Pense pas à piquette. Thanks Yolette. Bonne chance. Bonne chance Yolette. Bonne chance. Bonne nuit. Oh la vache. Ouais non la Q2 du coup je vais pas utiliser ces. Enfin ces pneus-là sont morts. La Q2 je vais la tenter en one shot. Oui j'avoue Sky. Comme je vais faire qu'un seul tour, tu veux l'aspi en inter? Sur ton tour En de Q2? inter? Bah moi je vais faire qu'un seul tour là sur la Q2. Ok. Du coup je vais sortir les inter. Donc est-ce que tu veux Bah vas-y l'aspi? go. Ouais, carrément, ouais. Ok. Carrément, carrément. Moi je fais qu'un run normalement aussi. J'espère. Ah moi je le tente en une seule run, hein. Il y aura pas de. Ah ouais, c'est sûr. J'ai testé F1.3 sur Parce que PC qui là on arrive est gratuit d'accord pendant le qu'il y a un. week-end. Là si Pas le tu même sors jeu. en Q2, Ouais. t'as les pneus que t'as T'as utilisés là, les pas 3. le dernier train de pneus offert, quoi. Ouais mais t'en as un pour la course de toute façon. Ceux de la Q3 ils sont pas utilisés tu vois. Ouais, oui, bah du coup, t'as tous ceux que t'as pas utilisés en Q3, ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que le train alloué pour la Q3, tu l'as pas, forcément. Oui mais t'en as un pour la course. Bah, ça dépend ce que t'as utilisé. Si t'es pas qualifié en Q3, mais que t'as utilisé tous tes trains de pneus, Non mais oui mais là par exemple, là imaginons oui. genre là je sors pas. Tu vois? Genre là je sors pas. Bah j'ai ce train de le train recommandé en Q1, le train recommandé en Q2, plus un train de deux courses. Ouais. Non? Rapport météorologique est Je me bon. trompe le Ouais, chat? si. Conditions sèches. Si. Parce que là il y en a obligatoire pendant la course, il y a M et H et il y a le soft qui est obligatoire en Q3, donc peut-être que en fait ça change rien de sortir en Q2. T'as pas un train de soft en plus pour la course. Mais du coup, celui de la Q3, il est quoi? Il est pas utilisé en course? Genre là, si je fais un tour avec ça, La piste est plutôt je suis vide, on a niqué? beaucoup d'espace. Genre si j'utilise ce train de pneus là, j'aurais plus qu'un seul train de pneus neuf? C'est la première fois que je vois un gars qui fait une strat pour pas être en pole. Parce qu'il y aura full safety car. Et moi je sors maintenant du coup, hein. Vas-y. Utilise un soft usé au pire. Je peux pas. Le soft usé il est là, je l'ai déjà réutilisé. Il est à 12%, il met 7 dixièmes dans la gueule. Limite les médiums sont mieux là. Tu vois, si je prends ça et que je mets des médiums, je suis 3 dixièmes plus rapide avec les médiums. Donc là, en fait, si j'utilise ce train de pneus. En fait, je suis baisé. Si j'utilise ce train de pneus et que je passe pas, je perds le train de pneus plus la position. Du coup, je suis dans le même. Je suis perdu, moi. C'est pas clair leur truc.
J'aurais dû pas faire de tour, commencer P20. Bon, du coup, je suis dans la ligne droite là. Oh, ouais, t'inquiète, t'inquiète, ça va bien se passer. T'inquiète pas. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Vérification terminée, on est prêt. En fait, c'est ça. C'est comme ça qu'on doit faire. Faut qu'il y en ait un sur le début de la ligne droite, l'autre sort. Comme ça, moi je te la file sur le tour de sortie, et toi tu me la files sur ton tour de rentrée, mais il faut assez d'essence pour le tour de rentrée. Ouais, mais c'était ce que je comptais faire de base. Ah. Voir le début de la ligne droite, c'est peut-être un peu tôt. Let's go. Moi, je refais un tour en inter, hein, imagine, je peux encore avoir le point. Ah, j'aurais dû prendre des inter neufs, je suis con. Attends, les pneus que t'as pas utilisés en qualif, la Q3. Attends, je vais pas parler pendant que. On tient chouille. Reste à gauche après, hein. Merci. Les pneus que t'as pas utilisés en qualif, tu les as en course aussi. Donc si tu fais que un tour en Q2 et que un tour en Q3, t'as ton train de médium 9. Attends. La piste est en train de sécher. Préviens-nous quand tu voudras passer au slick. Je peux passer à speed ici, hein. Vas-y pour le point des inters. Allez, allez. Allez, décale-toi tout seul, hein. Ton train de médium 9, des qualifs, plus le dernier temps qu'on te donne en Q3. Donc j'aurai le pneu de la Q3, je l'aurai quand même pour la course. Parce que sinon t'es handicapé. C'est encore pire qu'avant. Bon, je sais pas si c'est mieux ou pas. J'ai l'impression d'avoir fait le même temps. Il y a un truc qui me fait peur. C'est quoi? C'est que tombe, il est cinquième avec des hards. Oui, mais Il est il fait en toujours ça. 30.1 avec des hards. Il fait toujours ça. Ah non, mais il va. T'as pas vu le Canada? Il nous reste moins d'un
Non, enfin si, mais oui. C'est vrai que oui. Bah oui. P1, P2, Tom et Spin. Spin, là, ouais. Bah voilà, avec 20 secondes d'avance quoi. Ça va et toi, Kiwi? Ah, mon secteur a été vraiment pas glorieux. Par contre, j'ai record du secteur 3. Et ça. Dans tous les cas, tu l'as celui qu'on te donne en Q3. Ah, voilà, je me disais. Bon, bah, je peux tenter un seul tour avec les softs d'ici, du coup. Je suis pas. Si je passe pas, je suis pas handicapé, quoi. Genre, c'est... Pourquoi tu roules en inter? Parce qu'il y a un point pour le meilleur tour en inter et que comme ça, je pouvais filer l'aspi à Skyzy. Ok, bon bah parfait, je te fais confiance. Hein. Mais après, le point inter, tu l'as pas. Hein. Oui, bon. On va pas tout de suite parler des sujets qui fâchent. Oui. Ça vaut une seconde, malheureusement. Mais il a train les inters sur du sec ou. Non, oh. Je pense qu'on pue la merde, c'est tout. Tu sais quoi? Prochain GP, je train inter sur du sec. À Abu Dhabi. Prochain GP, semaine prochaine. Je lance des essais libres, frère. Je lancerai des essais libres et je fais que des tours en inter et je vois. Ouais, bah quand tu feras à 100% avec Hydro, tu demandes est-ce qu'on peut faire une qualif en inter. Ouais, voilà. Bah oui. Laissez-vous des Kangokon qui roulent près de chez vous. C'est vrai, ça loupio. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, bah du coup, moi j'ai sauvegardé un train de soft grâce à ça. 32-0. T'es en combien toi? 32-0. Et même même chrono qu'en Q1. Et combien sur la grille, je veux dire? P2. Solide. Une demi-seconde derrière Razin. Tu me fais de la spi là sur mon tour en soft 9? Vas-y si tu veux. Vas-y, je vais sortir. Si je sors à 2 minutes, c'est trop tard parce que je lance le tour tout pile. Je vais sortir maintenant. Comme ça, je peux. Ok. Comme ça, je peux pas abîmer les gommes et rentrer. D'accord. Tu sais comment déclencher un red flag en course? Pierre Jarre a une stratégie. Ouais, je sais, mais ils sont désactivés en Creator Series. Donc, allez, je sors. Allez. Et toi, bah, faut que tu sortes. Ouais, pendant la ligne droite. Secondes. Pendant que moi, je suis dans la ligne droite. Je vais bien chauffer mes pneus, par contre, cette fois-ci. On va pas faire de conneries. C'est con parce que c'est hyper serré et puis t'as Razin. Ouais, mais au moins c'est pas un réserviste, tu vois. Il y en a d'autres qui peuvent faire des batailles ou quoi. Ouais, c'est sûr. Parce que les réservistes ultra rapides. Parce que Razin, il est rapide, mais c'est rattrapable, tu vois. Là, ceux qui remplacent, ils sont pas atteignables. Et où là sur le circuit? Bah, regarde la carte. Tu l'as pas? Depuis l'instant, tu peux le voir. Je suis pas sorti. Oh, je suis encore au début, t'inquiète. Ok. Là je vais prendre mon temps de toute façon sur la ligne droite parce que je veux bien chauffer ma gomme. Ok. Partir à 25. Non mais quand je suis dans la ligne droite, tu vois. Non mais t'inquiète. Je fais un tour très lent, au pire. Si je vois que je suis trop tôt. Là, je suis sorti. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Ah, je suis dans la picane, quoi, donc j'irai à gauche, hein. Je me décalerai tout seul. Oui, t'inquiète. Ah, tu te décales tout seul? Je me décalerai tout seul à gauche. Okay. Juste focus toi sur la crash quoi. C'est bon, j'ai les pneus bien chauds. Allez, je lance.
un bon chrono ou les qualifs s'arrêtent ici pour nous. Ton aspi qui va sauver mon erreur, peut-être. Ah, t'es à la chie, mon aspi. Ouais, pas ouf. Mais j'ai glissé avant de lancer la ligne droite, je me suis foiré. Faut que je réussisse la fin. Oh, je suis trop doux sur l'air axel ici. Combien? P7, ça va être limite. 32.3, c'est pas terrible. Bah ouais, ça va, hein. C'est à 3 dixièmes de moins. Hein. Ah, ça va, en vrai, la spiette t'a permis d'être pas trop mauvais dans secteur 3. En fait, tu perds beaucoup secteur 1. Tu perds 4 dixièmes. Ah, je perds full. Bah, en fait, je perds full aussi sur mon lancement de la ligne droite. Ouais, la spiette a pas été non plus si désastreuse finalement. Enfin, elle est pas optimale non plus, quoi. Bonjour Mamat. Ouais, je pense que ça devrait passer. Enfin, j'en sais rien en fait. Oh, au pire, je suis P11 et c'est la meilleure place. Oui, au pire. Ouais. Il y a quoi? Il y a potentiellement Tom. Et je pense que c'est tout, hein. Il y a Vince qui est en train d'améliorer. Ah, bien tenté, mais j'ai pas pensé à faire un point d'exclamation classement. Faudra le changer à chaque fois, c'est un enfer. Oh, la flemme. La flemme. Je voulais présenter au début du stream si jamais le classement. C'est vrai que bon, ton aspi. Ah, t'es pas folle, mon aspire. Après, t'aurais pas fait gagner 2 dixièmes. Hein. Oh. Vraiment? Je pense pas. Hein. Ah, je. Pour avoir test la diff setup lourd, setup léger, il t'a facile 4-5 dixièmes entre 5 ailerons, tu vois. Ouais, bah ouais, my bad, c'est trop. C'est le shooté, c'est my bad, ouais. Oh, mais c'est NP. Hein. Pire, après, la qualif, ça sert pas à grand chose dans cette compétition, quoi. Bah, surtout ici. Ah, P10, ouais. Attention! Savzo qui fait le dernier virage, qui va m'éliminer. Ah, et P11! Wouh! Ah, c'est pas une joue cette fois-ci. Bon bah. Ah, Savzo la cut. P12. C'est pas grave. Oula, c'est la est-ce que c'est pas la première fois que je vais pas en Q3? C'est peut-être la deuxième fois? C'est la troisième. Non, comment ça? Zandvoort, et il y a une course cette saison où t'es pas allé en Q3 et tu posais la même question. Ok, Canada ça compte pas, c'est parce qu'il y a eu un bug. Canada ça compte pas, je suis parti en médium et c'était parce qu'il y avait un bug. Ah, peut-être Mexico, ouais. Donc là j'ai deux trains de soft 9 au pire, c'est pas grave. Je suis dans la meilleure position. Et j'en ai un à 5%. Ouais, c'est Mexico. Ouais, c'est fine. Moi j'ai éclaté un train de soft, hein, il a 12%. Hein. Ah ouais, là pour le coup, il y a un dixième et demi là, avec la spi ça passait quoi. Ouais, puis si je faisais, si je me foirais pas aussi, hein. T'as par contre, Michi est chaud aussi, un 31-8. Parce que j'ai facile 2-3 dixièmes sur mon freinage raté. Ouais, ouais, c'est sûr. Moi, faut que j'arrive à me sentir à doigt du cul, parce qu'en après, il y a du monde, hein, cette semaine. Razin, Tom, Tiamet, sous ton sourire. Alex, il y a du monde. Jibi, Alex, ouais. Merci beaucoup, Cyril, pour le Prime. Merci, mec. Bon, bah, c'est pas grave. Le préféré au thème, c'est Medium et Tom. Ouais, c'est Medium. On partira en hard de toute façon, en attendant une safety tout le long. Oh le baiser. En vrai. Non. Vu qu'il y aura forcément une safety, est-ce que je foutrais pas des hards au départ? Pop, pépouze. Moi, je passe pas ma stratégie sur une safety car.
Moi, oui. C'est un coup à être éclaté. Imagine t'as cette petite carte tour 2, tu fais quoi avec tes hards? Bah, je mets des médiums. Et j'aurai 5% de moins. Et vu le Brésil, ça sert. Tu bosses chez Ferrari, non? Bah, Brésil, vous étiez en train de me dire de pas pit avec les médiums parce qu'on était, je cite, qu'au sixième tour. J'ai pit pour mettre les médiums. Je suis remonté jusqu'au podium. Oui, vas-y. Je comprends. Mais on est au Brésil. Brésil, c'est un circuit où il y a beaucoup de virages pour faire la différence pneumatiquement parlant. Je pense que tu Vegas, c'est pas trop sous-estimes ça. Vegas. Tu Bon penses bah que je force à toi sous-estime sans Vegas? l'aspi du coup pour la Q3 du Oh, coup t'as pas de coéquipier. Hein. je vais être à 320 km/h. Après si ça peut te rassurer, il y a que McLaren qui a un coéquipier je crois. Ouais, il y a que McLaren qui a un coéquipier. Ouais, mais il y a un monde où tu as metté Razin et se la donne. Razin, c'est son modo, donc. Je Ah crois. putain, Donc il y a un monde où il se c'est la vrai donne, qu'il quoi. s'aidait déjà la dernière fois. Ah Bon les gars, mettez-vous dans la même écurie quand c'est comme ça, tu vois. En vrai, on a été fair ouais, play parce c'est que la clair. saison dernière, on s'aidait pas nous. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. C'est Allez, moins à qu'on la puisse limite, il y dire. a eu que Monza. Monza, Attends, on t'es mieux s'est que lui. aidé. Si, Monza, on s'est filé l'aspi. Ah, peut-être. Mais c'est tout. Sûrement, ouais. Allez. Il y a un Bon, monde où je la poule là. Hein. moi je vais pisser pendant ce temps. Je vous mets une POV SkyEasy avec le moteur qui va sûrement bugger. Il y a ceux qui arrivent. Installez-vous bien. L'inspiration, mon RGB! Ça glisse? Il a tapé là, non? Bien! Putain, je pensais que c'était un tour foiré. Bien joué! Et là, t'as les deux mecs hyper forts du lobby qui vont.
qui vont venir prendre la P1 et la P2. Et du coup, les gars dans le chat, j'ai eu une info. Fratik fait un peu comme moi là. Et maintenant, il va faire ça sur toutes les courses de Creator Series. C'est-à-dire qu'il tente la qualif avec un seul train de pneus. À chaque fois. Enfin, genre un seul train, mais de la Q1, Q2, Q3. Parce qu'il a l'impression que la qualif sert à rien en Creator Series. Vu que quand il y a des safety cars, le fait d'avoir des pneus en plus, ça joue quoi. Vu qu'il y a plusieurs safety cars. Il s'émute ou quoi? Vous êtes là, vous, le chat, au moins? Il s'est mute, je crois. Moi, je pense qu'il faut pas qu'il relance, faut qu'il garde son pneu, hein, Nick. Berja? Ouais. Mais pas beaucoup d'essence pour la course. Ah ouais? On est en carburant facile. Donc, même si t'es en panne d'essence, tu peux rouler. Je suis en panne d'essence depuis un tour. Hein. Et j'étais à 320 à la ligne droite. What? Le setting a pas été mis. Bah, ils vont restart ou pas? Non. Parce que c'est pas un truc game changer. Mais Ouais, je me mets en neutre, quoi. Ouais, moi je mets en négatif. Plus, du coup. Ah, sa mère, le tour était mais complètement ouais, nul, du coup, ne relance pas, hein, garde des pneus. Ah, si, j'en ai gardé un déjà. Parce que Fratik fait un truc qu'il compte faire sur toutes les courses parce qu'il se dit que la qualif sert à rien en Creator Series. Il fait la qualif avec un seul train de pneus, quoi qu'il arrive. Q1, Q2, Q3. Genre le même train. Ouais, c'est pas con. Non, mais j'ai beaucoup à récupérer là. J'ai vraiment fait un tour nul et je suis cul à cité. Et c'est vrai que mine de rien, Tombe est champion en ayant fait 15 000 Q3 à chaque fois. Donc. Ouais, c'est vrai, 15 000 Q2, ouais. Ah ouais. Une classe action a été prise contre les organisateurs du GP de Las Vegas suite à l'expulsion des fans avant les FP2. Aïe aïe aïe. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est les US, putain, ils aiment bien les procès là-bas. Oh ah là ouais, là. La F1 en procès. Dans mes veines. Mérité. Parce que là, c'est pas normal. Tu veux vendre ton GP comme le GP, le big GP de la saison, l'événement, nanana, des prix exorbitants. Bah t'assumes derrière quand y a une merde. Ça va et toi, Noah? Ah putain, le fuel est en easy du coup. Ouais. Et qui l'a vu ça? Quelqu'un l'a vu du coup? Je sais pas si les gens l'ont vu, mais en tout cas, moi je l'ai vu. Ah, y'a que toi qui l'as vu? Ça t'a été vérifié? Ouais, c'est quand je tombe en panne d'essence et que je pouvais quand même aller à 300 km/h, j'ai fait what the fuck. Du coup, j'ai check, et en effet. T'as fait combien en Q2? Je suis P12, je crois. Ouais. Ah, mais je vous le dis, ma strat en fait, c'est de mettre les médiums, et quand il y aura une première safety car, je mets des hards. Enfin, si la safety car est genre au milieu de mon relais médium. Si elle est au début de mon relais médium, je remets des médiums parce que je me dis que dans tous les cas, je pourrais réutiliser les médiums d'avant. Vu qu'ils sont pas trop utilisés. Est-ce que tu trouves ça honteux que la FIA n'ait pas accordé le moteur gratuit à Sainz? Ça me semble plus logique de l'accorder. Mais je comprends l'autre vision qui est... En fait, c'est ridicule parce que c'est la FIA qui fait l'inspection du circuit et tout, donc c'est de sa responsabilité. Mais les 10 places sont pas faires pour Sainz. Tout comme est-ce que autoriser un moteur neuf pour la Ferrari gratuitement... Waouh, comment il passe proche, Razin. Ce serait pas unfair pour les 9... Les 9 autres écuries.
Mais 10 places, c'est vénère, quoi. Ouais, 5 places à la limite, tu vois. Oh, ça vaut pas. Oh, Skyzy, ça valait pas le coup de relancer un tour en vrai. Hein. Vu que c'est un circuit où tu peux facilement doubler. Aussi, ouais, qui nous. Ou au moins qui paye aussi les réparations, tu vois. Que ça compte pas dans le. Tu vois, dans le budget cap, parce que c'est pas normal. Bien joué. Attends, il y a Tom qui va venir chercher sa pole. Non? Attends, il reste combien de temps là? Il reste combien de temps? Let's fucking go. Bon, ça c'est le bat par contre. Joli tour, mais Ah bah putain, ouais. Mais pour moi, débile de quand même prendre la pole. Parce que je te dis, tu vas te faire baiser. Tu vas te faire baiser, tu vas te faire baiser. C'est un circuit où tu peux doubler trop facilement, tu vas te faire baiser. Tu t'en fous de ta pole? Ok, Charles Leclerc. Monsieur Charles Leclerc, le tour était incroyable, je t'assure. Incroyable. Ah non, mais j'ai vu, hein, franchement, c'était beau. Oui, c'est vrai, quand c'est LM, t'es en 31.5. What the fuck? Non, je suis en 31.3, mais j'ai supprimé un chrono. J'étais en 31.0, pardon. Oh! Bon alors, comment on fait ça? Je veux savoir faire ça, moi. Bah, réglage lourd, hein, de toute façon. Hein. C'est pas impactant avec le DRS. Ça sera impactant pendant la course où je vais me faire un petit peu fumer en ligne droite. Bah, au départ surtout. Quand tu auras pas de DRS. Là tu vas perdre, pour moi tu perds deux positions. Mais après du coup, une fois que le DRS est activé, tu peux tranquillement suivre le train sans utiliser de batterie et tu mises ta course là-dessus. De toute façon Vegas c'est de l'oval. Il vient de faire un de ses chronos. Genre Vegas c'est de l'oval, ouais. Je me souviens la première course, si j'avais eu le DRS, on a tenté de m'undercut, je suis resté dans le DRS, il a pas réussi à m'undercut. C'est vrai ça. Genre de deux tours d'écart même, tu vois. J'étais resté dans le DRS. Oh, j'ai les mains qui trempent, sa mère. On est plus fast en qualif qu'en CLM. Ah ouais? De quoi? Ça va, Tom il est. Tom il joue le jeu. Tom il. Ah non, il va te prendre ta pole, attends, regarde. Non! Si, regarde, il finit son tour. Pas tout ça pour ça! Si, regarde. Regarde la clim que tu vas prendre, regarde la clim. Bam! Pas tout ça, non! Quoi? Mais d'où? Waouh, t'as battu Tom. Bah ouais, évidemment, j'ai battu tout le monde. Il a peut-être fait en pneu usé, je pense. Je veux pas dénigrer ta perf, hein. C'est pas prêt de me dire que je vais me faire battre par Tom, il est en point 2. Ah non, il est pas en pneu usé, dommage. Alex est en pneu usé, par contre. Ah là, il y a des gens intelligents qui gardent leurs pneus, quoi. J'en ai gardé un pour voir. Waouh, bah moi j'en ai gardé deux, alors. Ouais, mais toi t'es où, là? Ouais, bah on verra quand tu auras 15 safety cars. Et qu'à la fin tu seras là, merde, j'ai plus que des softs à 10%. Et c'est la fin non, de la course. Non, parce qu'en vrai, il y a juste un train de soft qui a 12%, le reste, ça va. Ok, les gars, je lance une prédit, il me faut le top 7. Voilà, c'est l'objectif parce que là il y a beaucoup de monde. Donc la prédit c'est pas top 5, la prédit c'est top 7. Hop, vous avez 5 minutes. We are so back. Eh ouais, Razin, bon, tu vas peut-être gagner la course, mais eh ouais, au moins j'ai la qualif. Donnez-moi un point pour la pole. Bon, on a fait le plus dur. Maintenant, qui tremble. Mon cœur, c'est fou. Voilà, maintenant, moi, je dois être dans le peloton sans prendre de dégâts. Regardez bien le fond plat qui va se faire péter. Oh, Louis, putain, j'ai fait la prédit solo alors que c'est vrai que j'ai des mollos. C'est mon putain de PB en Q3, oh la vache. Mais apparemment, t'es plus rapide en qualif, en CLM. Bah en Q3, oui, c'est normal.
Ah, ok. Moi, En je qualif suis. courte, Moi, je j'étais en suis. 31-1, 31-0, tu vois, Moi, je maximum. suis jamais plus rapide. Que t'es à ton prime, Pierre. Merci, mec. Rappelle-toi l'essence. Hein. Ah oui, c'est vrai. Merci Chris pour le follow. Oh, thanks Chris for the follow. Attends, j'ai mis quoi en prédiction course? J'ai mis quoi en truc course? Ok. Laisse-moi voir vite fait. Hop. La pression des pneus. Moi, je m'en remets pas. J'ai tout le corps qui tremble, l'adrénaline de zinzin. Hop. Je vais baisser moins 1 en aileron avant, je pense. Pour l'équilibre. One stop, non, ça marche pas. Non. Bah si, Pierre Jaffe, c'est le medium hard. T'avais l'air giga chaud de mettre des hard. Non, ça ira, t'inquiète. Ah, quand même. Là maintenant, c'est là où c'est le plus dur. Ah, quand même, hein. Ça part en quoi devant? Ah, il y a beaucoup de soft, hein. Il y a des villes en hard. Pas si on fera une masterclass ce soir, mais en tout cas, on l'a déjà fait. On l'a déjà Non fait mais c'est maintenant. bien, t'as les... T'es en POV Charles Leclerc toi J'ai le aussi. point de la, j'ai le point de la pole. Ah bah non, il n'y a pas de point en pole. Fallait faire le meilleur temps en inter. Intermédiaire. On a un point pour le pire tour en intermédiaire ou pas? 23, 15, 27. Ok, bon, les gars, je vais essayer de pas me foirer. J'ai peur des départs, surtout, surtout dans le peloton. Je pars P12. Maintenant, faut espérer faire une bonne perf. Je remettrai mon aileron normal sur mon deuxième ou troisième relais. Mais là, je fais moins un pour l'équilibre. Mais pourquoi tu me demandes de partir en hard? T'as envie que je fasse une Charles Leclerc en fait. Je Oui. connais. Ponju est en hard, Aiden est en medium, Savzo est en soft. Ouah, je vais pas lutter. Hein. Beaucoup de gens en soft devant aussi, hein. Ah ouais, je vais pas lutter sur leur relais en soft. Je tremble de partout, c'est une dinguerie. Encore, on veut Allez, pas on s'arrêter peut. de trembler, j'ai Parkinson. Ah, j'imagine. T'as dû tout donner sur la qualif, maintenant il a plus d'énergie pour la course. Ah, j'ai plus rien, là on replie tout. Oh, j'ai les bras qui tremblent de zinzin, c'est où l'adrénaline des zinzins là? Putain. Allez les gars, on croit en Mercedes. Aujourd'hui mais pas demain. Pierre va remonter. Et nous, on va essayer de maintenir les fous Ah, c'est derrière vrai nous. qu'il nous faut les points hein, là contre Ferrari. Ouais. Pareil, ils sont pas en top 5, hein. Bah, Tiamet, t'es combien? Je sais pas, il doit être 6ème, Tiamet. Ouais, Fratik est dernier, je pense, ou dans le. Il est peut-être Oui, sorti en 15ème, P1. pratique, je crois. Mais il a full pneu soft par contre, Fratik. Mais je pense qu'en termes de rythme, ça devrait pas non plus être trop ça. On verra. Enfin, Fabio, il est très mignon, hein, mais y a pas de, c'est pas le rythme des leaders, quoi.
Bon. Maintenant, il faut cook. Eh les gars, croyez en Pierre-Jacques, croyez en nous, vous avez le squad, non? Pour voir les deux gameplays en même temps. Et pouvoir faire les ingénieurs de renom si vous voulez. J'essaye de bien chauffer ma gomme. J'aimerais que je fais mon corps, mais... Ça marche ou pas? Allez, let's go. La prédit est déjà partie avant. Ça arrive très vite, hein. Ça va être ton départ en virage? Oh, on va essayer, hein. J'ai peur que Razine me dive. Laissez-vous freiner, lui, au départ. Oh, je suis très bien placé, je suis limite droit. Allez, let's go. Je vais me péter les oreilles pendant 2 heures, Nick. Bonne chance, je parle pas au départ. Eh les gars. Pitié, pas de dégâts. Au sol, merci beaucoup. Merci Paxi. Non! Non les gars! Pas le fond plat, pas le fond plat. Attends, je fais un retour parce que là ça allait être le bordel. Putain, je l'ai vu venir derrière. C'est quoi? Bah un mec m'a tapé l'arrière. Et un mec a tapé l'arrière du mec de devant. Donc en fait on m'a poussé dans le gars qui s'est fait foutre dehors. Let's go. Et des gars ou pas? Ouais, aileron gauche jaune. Ah putain. Déjà. Je vais rentrer mettre des hards là du coup. Bien sûr. On a moins de tests de points que Razin, hein. C'est ça se voit, c'est indéniable. C'est quoi ce dive frère? C'est quoi ça? Pas trembler, ça m'énerve. Allez au corps là, réveille-toi là. Oh, il y a tellement de gens au stand. C'est bon, tu peux partir. Tu es entré sur ton emplacement pile au bon moment. Allez, maintenant on attend la safety. On est de retour pour le même gameplay qu'au Canada. En espérant qu'il y en ait une. Il y en aura une. Il n'y aura pas de drapeau rouge, les gars, ils sont désactivés. Je suis étonné qu'elle soit pas sortie justement là. Parce qu'il y avait tout le peloton arrêté sur la piste. Mais j'avoue que j'ai fait revenir en piste, même si on n'a pas le droit, mais genre, il y avait le peloton bloqué entièrement, quoi. Bah, tu vas te prendre une là, hein. Ah ouais? Bah c'est 30 secondes, hein. Mais non. Mais là on était bloqué. Genre là, en fait, là, sinon, on était full bloqué. Là, c'est pas pour repartir plus vite, c'est juste pour éviter qu'on se rentre tous dedans et qu'on soit bloqué.
verra au pire, hein, j'expliquerai. Hein. On va juste essayer de garder le DRS de Razine, que j'ai pas la vitesse de pointe pour devant en fait. Ça oui toi faut que t'économises full batterie pour les moments clés. Attention, attention. Genre la fin du GP. Oh ah oui. Safety car là. Ouais voilà. Putain que des VSC. Ça compte dans les 6 hein. Faut le noter. C'est passé quoi? Deville a spin et il était sur la trage. Ah. Plus que 4, ouais, faut qu'on les compte parce que. Let's go. Je crois que j'ai repris 2 secondes sur JB du coup, sur la relance. Putain. T'es encore dans le train? Oui, j'ai dû bien un peu mettre de la batterie par contre. Je pense qu'ils ont mon setup hein. À peu près. Ah, Razine a une grosse Z-Max, hein. Ouais, c'est pour ça, il faudra, si tu veux win, il faut garder vraiment ta batterie. Allez, bon. J'espère que je remonte un petit peu. Non, il était F23, il était gratuit. Ah, voilà, let's go. Il est gratuit ce week-end, F23. Ah ouais, mais je veux dire, il pensait qu'il le gardait, mais non, c'est un essai. Imagine. Non, si vous l'avez gratuit pendant le week-end, puis après, vous avez une promotion qui s'applique, si vous avez envie. Bah, s'il faut box. Ah, moi, je boxe, mais je suis en hard. J'ai mis les hard justement pour attendre la safety, donc... Ouais, tout le monde la boxe. Tout le monde boxe? Ouais. Je sais pas en quoi. On verra bien.
Moi je reste en piste du coup, tu sais le mec. Le mec il craque. Tout le monde est en médium. Ouais, tout le monde est en médium. J'ai perdu une place. On a perdu une place sur Tom. C'était hyper rentable de s'arrêter. Tu vois ça, la saison dernière, je pensais pas arrêter parce que j'avais des pneus à 10%. Ouais, mais maintenant on sait. En fait, le Qatar nous a vraiment servi de leçon. Avec le petit car, tu boxes. Tu poses pas de questions. C'est un truc de fou, hein. Après, c'est aussi fait parce que tout le monde le fait, mais si personne s'arrêtait, ça serait annulé, tu vois. Les gens ne s'arrêteraient pas. Mais bon, tout le monde boxe, ça dépend, boxe. T'as vraiment une vraie diff de rythme. Hein. Mais là, en vrai, 10%, les pneus, on avait encore sous le pied, hein. Non, mais je pense que là, il y a eu Qatar et Brésil, en vrai, JB et moi, ça a servi de leçon. Ouais, t'as raison, faut cramer le charbu. Je suis revenu en positif. Moi aussi, mais en positif vite fait, quoi. Ouais, je suis à plus 10. Enfin, 0-10. Bon, je suis 19ème. Bah, carré. Non, non, elle est pas en diffusion la safety car, vous inquiétez pas. Et heureusement, parce que putain. Si on l'avait vu dès le début, je pense qu'on aurait remake. Hein. Oui. Bon, les Anglais bug pas pour l'instant. Bon, on verra les setups des gens parce que j'ai peut-être une. J'espère que ma VMAX va me permettre de remonter. Moi je pense que j'ai vraiment la pire VMAX, hein. Vu comment je me vois, c'était pas fou. Ah ouais, bah, toi pareil, là la relance du coup, le temps de la... Sans DRS, hein. Les safety cars elles vont un peu te niquer parce que du coup t'auras pas de DRS pendant deux tours à chaque fois et t'es dans la merde si c'est ça. Ouais mais en vrai, j'ai beaucoup plus d'appui donc ça me permet de garder un peu le cap dans les virages. J'arrive à pas faire de la merde. Oui mais je veux dire on te double facilement, après c'est à toi de la récupérer mais... Du coup, oui. Tu te bats dans les virages, donc c'est un enfer en termes de rythme. Bon, et après, là, je suis un tout petit peu protégé par Kierbs, qui lui s'est pas arrêté, il est en médium derrière moi. Après, c'est le coéquipier de Meraki, donc je pense qu'il va vite le laisser passer. Mais je suis un tout petit peu sauvé. De toute façon, moi, je savais que j'avais pas gagné la course, hein, vu le setup et vu le rythme. Mais podium, c'est jouable. Alors que moi, oui. Ah! Enfin, voilà quoi, faut revoir peut-être tes ambitions. Moi je suis là pour la gagner cette course. C'est un mec qui a pas beaucoup confiance dans son talent, t'as vu. Troisième safety car du coup en note. Ouais, troisième safety car. Regardez-moi bien comment je vais bien cramer mon essence. Moi je suis expert dans ce domaine. Moi je peux te cramer un tour d'essence en un tour. Comment tu fais? Bah je me mets au rupteur et je freine en même temps. Tu vois, 0,17, 0,16, 0,15, 14, 13. C'est simple finalement. Non? Tu arrives pas? Oui, je l'ai fait aussi. J'ai tellement fait que j'ai eu trop de retard sur la voiture de devant moi donc. Voilà, et là on est bien là. Comment t'as fait pour être avant-dernier? Il y a eu un crash au départ et j'ai été impliqué dedans. Enfin, j'ai rien fait moi, mais. On m'a tapé l'arrière en gros. Ouais, c'est aussi pour ça qu'il faut pas être dans le midfield dans ces courses là. Oui, mais après. À Abu Dhabi, ça ira peut-être un peu mieux. Là on peut doubler, il y aura d'autres safety cars, tu vois, j'ai pas usé les médiums pour attendre la safety car, j'ai mis des hards, tu vois, il y a un peu ça. Alors que les autres ont mis des médiums d'ailleurs. Donc ils ont mis deux fois des médiums. Ouais.
Là où moi j'ai des médiums usagés, oui, mais c'est ceux du premier tour, quoi, donc Oui, ça va, c'est genre 1%, quoi. Ouais, voilà. Oh, mon volant, là, fais pas des trucs comme ça. J'espère que le mien va pas être déconnecté aujourd'hui, par pitié. Je vous aime, Trust. Je vous aime. Pitié. Allez, là, ça va repartir. Je vais attendre le crash, hein, perso. T'as déjà win une course en créateur series? Non, j'ai fait que des podiums. Ce qui est déjà pas mal, j'ai fait deux podiums. Oh non! Pourquoi ça cale autant là? De quoi? T'as dit quoi? T'as fait trois podiums, non? Quand j'ai fait, Autriche. Qatar. Ouais, Qatar, ouais, sur la saison 3. Et cette saison, t'en as pas fait un? Non. Cette saison, j'ai aucun podium. Dernière, t'en as pas fait un? Non, j'aurais pu le faire à Imola. Ah oui, c'est vrai, ah oui, oui, oui. Bon, de toute façon, je suis 19ème, donc la relance, si tu veux. Je vais relancer, hein. Ah, il y a un drive-thru devant moi. Ah bah, JB a pris un drive-thru, putain. Sale soirée pour JB, il se fait tamponner plus drive-thru. Attends, mais il est dans les virages, hein. Et on est là en accélération, hein. Ouh, vache. Non, Vegas, j'avais fait top 5. Allez, let's go. Et on y va, on gère notre rythme petit à petit. Ça va se battre devant de toute façon. On n'est pas hyper rapide là, hein. Attends, moi je dois gérer le peloton là, c'est un peu, ça va être vite le bordel.
30.7 là, Paul. Oh, il a foutu. Oh non, il a foutu Fratif dehors. Qui? Adam. Oh, Devon Butler. Ok. J-Box. Encore? Je perds pas de position. Ouais, t'as raison. Bah, mets les softs, hein, du coup. Non, j'ai remis les mêmes, les médiums. Ils ont 5% de moins. Ok. Je vais alterner entre les deux médiums à chaque fois. Les softs, je les garde pour la fin. Parce qu'il y en aura encore. Ouais. Une ligue des deux à proposer. C'est que pour les créateurs de contenu, mais je sais qu'il va y avoir une D2 la saison prochaine. Ah ouais? Ouais, je t'en parlerai en privé parce que ça n'avait rien annoncé, mais ouais. Mais c'est un truc sur invitation, c'est pas vraiment un truc ouvert, quoi. Oh non, je vais être relégué en D2 parce que j'ai une trage. Non, je t'expliquerai. C'est pas comme ça. C'est pas en mode assist, no assist. Faut que je crame de l'essence, putain. T'as paniqué, non? Oui. C'est vrai que j'ai pit en... Je sais pas si c'est... On a le droit de cut la ligne? Oh. Y'a pas de règle, j'ai pas vu de règle sur ça, moi. Oh. Bah, j'ai cut la ligne au dernier moment pour box. Ce que je sais, c'est que t'as prendre 30 secondes pour retour en piste. Non, mais non, en vrai, tu verrais les images, Skyzy, il y avait voiture devant, voiture derrière, je ne pouvais pas bouger en fait. J'étais pas dans le bon sens. Ok. Donc en fait, on était deux voitures en perpendiculaire à la piste et on pouvait pas bouger. Donc on était un peu obligé de faire un truc, tu vois. Donc au pire, bon, si je prends 30 secondes, bah tant pis, mais pour moi, je pense que en parlant. Ouais, genre, t'avais pas le choix pour bouger quoi. Ouais, voilà, c'est pas genre. C'est pas genre tu gagnes du temps ou quoi. Ouais. Ah, Adam a fait l'assassin de fou. Pauvre pratique. Adam, pour ceux qui savent pas, c'est Devon Butler. Hein. Voilà, c'est l'acteur qui joue Devon Butler. On dit Adam, mais du coup on dit Adam parce qu'en anglais c'est Adam. Ouais, c'est Adam. Ok. Adam Sanderson. Les gars, j'étais combien avant la safety là? J'ai pas perdu de place, on est d'accord. Ah, Aiden qui tente les softs. Ah, c'est pas con ça en vrai. Oh, y a Alex qui l'a déjà. Moi, je vais pas les utiliser tout de suite les softs. Pour l'instant, je gère les safety cars avec mes médiums. Tu vois, j'ai des médiums de quelques pourcents plus frais que vous. Ça devrait me permettre de rattraper. Et après, bah, s'il y a besoin encore, je peux remettre des médiums. Tu sais, j'alterne. Tes médiums? Là, ils sont à 4% à la fin de la safety. Ouais, mais ils sont à 5, hein. Ouais, mais ceux que j'avais étaient à 8. C'est vraiment un pourcentage minime, quoi. Ça joue sur un tour. Ouais, mais tu sais, genre, tu perds pas de position, donc. Ouais, mais est-ce que t'en gagnais? Non, je pense pas, parce qu'il y en a qui se sont. Si, il y en a peut-être deux qui se sont arrêtés, je sais pas. Non, ouais, il y en a deux qui se sont arrêtés. 19, tu étais. Ouais, j'étais. Pas dans le trafic, en fait. J'étais P19 et je suis 16 là, tu vois. Ouais, là... mais ouais, du coup, t'évolues pas dans le trafic, malheureusement. Non, t'aurais pu être genre 14, tu vois. Ouais, peut-être. Je sais pas, on verra, ça se trouve c'était bon call, hein, mais pour 1%, bon. Enfin, pour 4, du coup. J'arrive pas à cramer de l'essence, putain. Après, je peux toujours box avec des softs, mais je me dis, il y aura encore des safety. Non, box sur maintenant. On box pas. Il y aura encore des safety, de toute façon, donc autant les garder pour la fin de la course, les softs. Là, c'est la quatrième, hein. 2 VSC. Ah, c'est vrai. 2 safety car. Bah, la dernière, je boxe et je mets des softs. Hein. Mais en fait, il y a des chances pour qu'ils aient réduit entre temps le nombre d'apparitions de safety car. Non. Genre, beaucoup de gens pensent que c'est 5 maintenant. Non, on a fait la 100% d'hydro, il y a eu les 6. Dont les VSC. Plus avec les VSC. Ouais, mais tu vois, le calcul, c'est que quand une VSC devient une safety car, ça compte pour une, hein, pas pour deux. Oui. Quand ça commence en VSC pendant 20 secondes après que ça se transforme en safety car, ça compte que pour 1. Ah oui, mais là ça c'est pas ça, là ça a pas fait VSC tout SC. Non. Mais je parlais de toi avec Hydro, t'es 100%.
Est-ce que si parfois t'as des VSC qui se transforment en safety car, ça compte que pour un quoi? Ouais, mais là il y avait des vrais VSC, c'était des vrais VSC. Ok. J'arrive pas à cramer de l'essence. Donc plus que deux, ouais. Oulala. Plus que deux, il va falloir garder un train médium. Ouais, bah en vrai, celui que j'ai est à 8%, tu sais, c'est les mêmes. C'est presque les mêmes. Ah, j'en ai un 9 et j'ai soft usagé. Ah, moi j'ai deux soft 9. Ça devrait aller, c'est sur pire, ce sera quoi, 5%? À partir du tour. Bah, à partir du tour 20, je peux faire double soft, tu vois. Bon, 15 tours, c'est ouf, hein. C'est pas... 15 tours, je trouve ça too much avec les softs. Ouais, bon, 13 si tu veux, tu vois. Mais à partir de la moitié du GP, tu peux. S'il y a une safety, c'est soft, tu vois. Non, y a pas de red flag. Alors, on peut pas, safety car? Oh putain! Je sais pas, avec le chaud. Ah ouais, ça relance direct. Moi je les ai. Oh l'accordéon. Oh l'accordéon. C'est parti. Il y a des softs, ça sert à rien, il y a JB aussi derrière avec des softs. Il a pas un vrai spot, JB? Si si, mais il l'a fait quoi. Ah il l'a fait, ok. Car je me fais baiser par les deux en soft parce que je veux pas les foutre dehors. Ah ouais, mais il a l'air d'avoir un setup lourd, JB. Pas les pneus, c'est chaud encore. Je vais attendre le crash devant là. Je dois faire celle. Non, mais là on arrive dans la partie sinueuse, ça va encore ralentir. Ouais, voilà, ils vont faire des conneries. Je propose de faire une stratégie. La merde. Ah, et là, faut que je passe Kirby maintenant. Et je veux le DRS sur les softs là. Je rechargerai après. Ah, pareil. DRS a été autorisé, DRS disponible.
Rechargerai quand je serai dans le DS. Enfile-moi. Non, pas que je le perde. Allez. Là, on recharge. Parce que ça va se battre devant. Oh la vache. Ah, il est chiant là. OK. Avant dernière. J'ai pris une place. Ah bah ouais, les positions étaient pas encore figées hein. Tu boxes pas toi? Non, je suis à 10%. Ah, je suis à 12, 13. Ah j'avoue, j'aurais pas dû dépasser, je voulais voir ce qu'il faisait Razen. J'avoue que c'est un enfer de doubler. Ah tout le monde qui va boxe là. Je sais pas quoi faire. C'est vrai que mes premiers médiums avaient 8%. La box derrière. Là on est à 5% plus de diff. Bon vas-y, je vais tenter l'inverse cette fois-ci, je vais pas box. Ah je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Ouais, ils vont tous mettre des softs. Ah ouais, je suis à 15% max quoi. Là pour le coup, il y a vraiment des gens entre nous, entre eux et nous quoi. T'es combien toi? Je suis P1 là. Ok. Je sais pas s'il fallait box. Mais là pour le coup, il y a vraiment des gens entre nous donc ça peut. Là c'est la cinquième. C'est la cinquième ouais. Donc on n'aura pas d'autres possibilités de prendre des positions donc. Qui derrière toi? Ponju, Fratik. Je sais pas qui après derrière, il y a une McLaren. Après beaucoup ont des pneus vraiment neufs, tu vois. Après là le truc c'est qu'il y a beaucoup de différences de pneus dans le peloton. Donc ça va se battre, donc il y aura de la casse. Voilà. Pour moi c'est ça ma théorie. Voilà, mais ils se battent pas tous ensemble. Ouais mais je veux dire. Pour doubler en ligne droite, là, ça me paraît compliqué sans. Enfin, tout le monde a l'air d'avoir à peu près la même Vmax. Enfin. Bien sûr, c'est que là, Eden va être hyper agressif. Tom est en ouais. Hard, mais c'est des hard quasi neufs. Ouais, et puis Tom rapide de base, donc c'est hard, c'est des médiums. Et oui, Eden est hyper agressif.
Mais là, moi, j'attends la prochaine safety car qui sera peut-être la dernière. Razin et Meraki derrière Fratik, ok. Ah merde. Pas si loin que ça, ça veut dire. On verra bien. Ils sont repartis de la P7. On verra bien comment ça se passe. Ils ont mis quoi comme pneu? Des médiums, j'imagine. Je sais pas, j'ai pas l'info. Je pense que oui. Et pareil, tu vois, si c'est ta dernière safety car, forcément, moi je devrais encore m'arrêter, mais eux aussi en fait. Non, je tire les rapports pour cramer l'essence, les gars. Regardez, je suis à 0,14, faut cramer un peu. Ouais, faudra pas perdre de position. Les deux sont en hard. Ah oui, tu vois, ils ont utilisé tellement de trains de médium que. Mais ils sont en hard pourquoi? Pour finir, genre? Pour aller au bout, ouais. Bon, impossible, c'est pas rentable. Tous en hard presque. Ouais. Bon là ça va relancer. C'est moi qui relance. Ah oui c'est vrai. Je vais vous mettre le son plus fort les gars. Milo. Comme ça on est dedans. Non le carburant est pas en l'eau mais au pire il se remet à la relance. Il se remet tout seul. Prépare-toi à reprendre la course. Dis-moi quand tu relances hein. Je vais relancer tard. Hein? Je vais relancer tard. Ok. Tu bug un peu, hein, je te le dis. Attends. Maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Ah, j'ai un coup de lag. Tu m'entends? Oh ouais, je suis concentré. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. T'as Razin déjà là en hard. Meraki aussi est derrière moi en hard. N'hésite pas à défendre? Ah, je vais utiliser de la batterie hein. Ça va être compliqué. Il a un setup très léger. Oui. Allez, je relâche, je peux rien faire. Il y a trop de Vmax. Fine, c'est fine. On va récupérer seulement s'il vient dans la ligne droite. La voiture de derrière a une seconde de retard sur toi. Une seconde. Je peux rien faire contre les pneus. C'est le retour du Qatar. Non mais c'est pas un je vous aurais bien rejoint, c'est pas un open lobby hein. Toujours pas. Il y a toujours un hein, dans la soirée à chaque fois ça me fume.
Ouais. Arrête-moi, s'il te plaît. Enfin, je vais devoir utiliser de la batterie pour rester dans le DRS. On verra comment ça se passe pour la fin de course, mais il y a des chances qu'ils veuillent aller au bout, mais encore une fois, je pense. Non, je pense que c'est au cas où s'il y a une autre safety en fait. Long. Je pense qu'ils disent que c'est la dernière. Non. Je pense que c'est 5, hein. Putain, j'ai glissé. Non, non, c'est 6. Ok, les commissaires viennent d'autoriser le DRS. DRS disponible. Je pense qu'ils sont. C'est parce que si, ils ont pas le choix. Et qu'ils étaient en hard. Enfin, qu'ils avaient déjà utilisé leurs deux trains médiums. Ouais, c'est temps. Bah, pourtant, non. Il y a la France qui joue au foot? Ok. Il doit avoir un reporter. Un peu comment tu lags dans l'écran de Tom? Ah ouais, je lag? Ah, tu lags. Je sais ce que je ferai la prochaine fois qu'il y a une... Ah ouais, en effet, je vois. Ok. Ah, en effet. Je sais pourquoi. Ah, en effet. Ah, en effet. Pourquoi tu lags du coup? Tu es dans le top 10. Je suppose que c'est parce que j'ai pas mal de choses ouvertes. Ah, ouais, là, c'est beaucoup là. Attends. On va fermer Google. Bah, j'ai été foutu dans le mur. Mon boîte a été foutu dans le mur. Oh non, j'ai des dégâts. Ah, t'as mis pause? Ouais, je m'y pose. Oh non. Oh non. Oh non. Faut que je fasse quelque chose là. Bah, tente de boxe maintenant en hard. Hein. Dimitri. Oh, c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi en fait. J'ai rien de connecté chez moi. Ah, pas à ce point-là en fait! Oh, je sais pas ce qui se passe de ouf! Même mon stream lag! Ça fait des dégâts ou quoi? Tout qui lag! J'ai dû quitter le vocal, je pense! Vas-y, hein! Putain, j'ai zéro grip par contre! Ah, je suis désolé pour tout le monde. Ah, je suis désolé. Secteur 1, je sais pas du tout à cause de quoi. Voilà, c'est la dernière. Oh, let's go, oui, 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 oui. Il faut maintenir un
Je pense que je vais remettre les médiums qui sont à 8%. Attends, on est à 25ème tour. Ou alors je peux faire soft. Les gars, on fait quoi? Moi, je vais faire médium là. Tu vas faire médium pour aller au bout, genre? Ouais. Risquer le soft. Bah, j'ai deux soft 9, les gars. C'est une image ou quoi? C'est et les soft, c'est 15 tours. Les soft sur le graph c'était genre 14 tours, tu vois, avec les tours de safety car. Je pense que c'est le moment de faire le soft. Attends, j'ai fait le vocal pour ça aide, j'arrive. Après, ouais, il y aura plus de safety car de toute façon, donc faut jouer le soft maintenant. Allez, nique, hein, les gars, maintenant faut le tenter. Hein. On a attendu pour ça. On a tout attendu pour ça. C'est ce qu'on veut, c'est le soft. Pourquoi plus de safety? Parce que c'est la sixième. Théoriquement, il n'y a plus de safety. Là, les hards vont rester en piste. Ah, il y a des gens qui restent en piste ou pas? Oh non! Non, SkyZ! Non, SkyZ! Non, tournez le rond de merde! Je vais finir dernier! SkyZ vient de me ruiner ma course! Parce que si j'avais su là, j'aurais fait un tour de plus et j'aurais pit après! Non, Sky! Bon, les gars, it's hammer time! C'est même pas 15-15 qu'on va faire là, c'est 13-13. Donc il faut faire soft avec 2 soft 9. On est trop bien là, les gars. S'il y a plus de safety, on est trop bien. On a la meilleure strat. Faut juste remonter maintenant. Parce qu'on va faire 13 tours en soft. 13 tours en soft, c'est optimal. Hein. Ok, les gars. Je fais comme dans Taxi. Hop. La fusée va partir. Est-ce qu'on a l'info sur les mecs de devant là, les... Oh, y a pas de soft devant en plus. Je suis. Y a que Safzo et moi en soft. Ok. Ok les gars. Et j'ai encore des soft 9. Ok les gars. Never back down, never what? Ok. Il peut rattraper devant ou pas là? Qu'est-ce qu'il fout? Il fait exprès? Il y a que Safzo et moi en soft. Hein. On a fait ce qu'il fallait faire. On était là, on disait... Je vais garder tous mes softs pour la fin du GP. Et c'est ce qu'il nous faut. Là, il va falloir que je prenne des positions en soft. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. On s'arrête tour 37, ça voudra dire qu'il restera 13 tours. C'est optimal. Parce que là, si on fait 4 tours, on est à 30. Plus 7, ça fait 11 tours. On peut même aller jusqu'au tour 38 pour faire moitié vraiment. Ok. Peut-être un stop en hard est plus rentable. Vraiment pas. En fait, la diff de gomme va trop se faire ressentir. Surtout sur la fin du GP. On a déjà eu des cas la dernière fois où on remontait de ouf. Surtout garde ton ERS. Bah pas à la relance de safety car, faut que je bombarde, faut que je double. Là ça va être du all-in les gars, c'est hammer time. Faut que je crame de l'essence.
Si, c'est possible, Zurich, en vrai. En fait, on se rend pas compte, mais tu peux gagner énormément sur les secteurs sinueux. Allez, let's go. Là, ça va être moi et mon destin, les gars. Là, c'est moi et mon destin. Ah, j'ai fait un freinage tardif. Petit peu, après, j'étais... Pas tout de suite, pas tout de suite. Faut attendre la big ligne droite là. Allez, allez. Il y a eu une petite touchette. DRS a été autorisé. DRS disponible. Putain. Sorry. I missed the break. Oh non, je suis désolé. Oh, j'ai fait de la merde. I did shit thing. J'ai pas vu le point de freinage. Oh putain. Oh, j'ai fait un assassinat. Oh merde. Oh, j'ai fait de la merde. Oh là 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 là, non. Ah ouais, non. Oh, sorry. I'm so sorry, non. Bro, ouais, je sais.
Y'a pas le DRS là encore? Non mais arrêtez de faire les anglais, que je reconnais vos pseudos quand même. Oh, j'ai fait de la merde. Ouais, faudra que j'aille m'excuser quand même. I'm sorry guys. Mais il y a 0-2 dans ton pseudo. I did a mistake. I didn't see the my point of break. Oh. Putain. Arrêtez de vous moquer, je suis dégoûté. Est-ce qu'elle dit? Ah, vous êtes allé le voir? Enfin, je pense qu'il doit m'en vouloir de ouf, hein, mais... Sur le moment, tu peux rien dire. Là, c'est mon erreur. Tu sais, c'est pas genre... Genre, il y a eu un truc et... Et tu sais, le mec lâche en mode c'est de sa faute. Non, là, c'est... J'ai loupé les freins et... Et j'ai eu la chance de pas taper la as, quoi. Ok, c'est pas grave. Tant pis pour les dégâts. J'ai plusieurs stratégies à te proposer. Comment ça les dégâts? Comment ça les dégâts? Et ta voiture? C'est un bug audio. Ah ok. Ah, Skyzy, j'ai besoin de ton DRS par pitié. Oui, Skyzy. Oui, j'ai besoin de recharger, Skyzy. Mais là, j'étais dedans. Ici, il va me baiser avec son setup lourd. Ah, j'ai changé de gars derrière moi. Pourquoi t'es plus en vocal? Non, c'est Skyzy qui est parti parce que ça co-buguait. Donc il a tenté d'éteindre Discord. Ah mais là il remonte.
faudrait que je rejoigne son train de DRS pendant qu'il va chercher Sapso. Là, j'ai plus de batterie, il faut que je recharge. Je suis une cible à abattre maintenant. Là, il va me doubler. Retour à la normale. Il y a eu un incident sur le circuit. Ouais, là, il va me doubler. Je vais pas lutter. Je vais le suivre. Faut que je recharge ma batterie. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Merci beaucoup, Locke du 01. Merci pour le cinquième mois. La voiture de devant gagne une seconde autour sur toi, une seconde. Et Skyzy qui est en train de se battre. Parfait, faut recharger maintenant. On va s'emmener avec JB là. Allez, JB, on s'emmène. Bien, beau travail. Attends, m'attaque pas ici, m'attaque pas ici. Voilà, here. Attaque me here. Pourquoi il est plus rapide en hard? Parce que j'arrive à la fin de mon relais là. Défends pas, il a dit. Ouais, non mais c'était pas pour défendre, de base c'était pour le laisser passer. It wasn't for defend, it was for let him pass, but I was in the inside. I don't defend. Ah, la petite boulette. Tout le monde va pit, il n'y a que toi. Je pense qu'il n'y a que moi, mais ça peut peut-être passer.
Ah, quoi que non, Save the Skies, je pense que ça va pite. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des tendres. Allez, passe. Oh. Bah, je pense que je vais le faire tour 37 ou 38. Parce que si je veux remonter, il faut que je pile plus tôt. Et 38, ça me paraît peu. Ouais, mais si je provoque le premier pit, ils vont pit devant. Tu vois, et je pourrais peut-être les undercut. J'aurais pas de trafic, j'aurais rien. Parce que là, je vais peut-être me gêner avec JB. Ok, il a le DRS et tout, mais... Au moins, j'ai rechargé pendant ce temps. Je les rattrape justement parce qu'on s'aide avec le DRS. Allez, tu peux récupérer ta position. 38, c'est peut-être pas assez pour remonter si jamais les hards boxent pas. Là, j'ai fait combien de tours avec mes pneus ? Et ta voiture ? Les pneus ont l'air en bon état. D'accord, mais combien de tours ? J'ai pris tour 25, quelqu'un peut me dire ça fait combien de tours ? J'ai pas le temps de calculer là. Tu verras un peu d'avance sur la voiture de derrière, ne te relâche pas. Ok. Ok, ça marche les gars, merci de l'info. Info course. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? Merci. Qu'est-ce beaucoup, je vois pas ton pseudo, attends. Tout ton sourire. Merci Jonath pour le quatrième mois consécutif. 11 secondes. Ah, ça se rattrape. Oh, j'ai essayé d'opti comme un cochon. Ah, ils sont beaucoup à avoir box en fait, au même moment que moi. Putain, fait chier. Après, il y a des médiums, il y a... Ah putain, j'ai pas... On verra. J'aurais dû pit le tour d'avant. Allez, faut remonter.
Brad est de 12,7 secondes. T'as tout le monde à boxe au même moment, c'est terrible. Allez, on continue. Tu précèdes la voiture de derrière de 2,2 secondes. Mais là, je vais le doubler, Skyzy. Ouais, bah ouais, j'ai hésité en plus à le boxe à ce moment-là. Mais dans la vie, faut pas hésiter, faut le faire. Maintenant, je prie pour que Skyzy remonte et gêne les mecs. Mais je remonte sur Savzo, j'ai un bon rythme. Après tu fais du fantasme. Non, après je vais me coucher parce que les gars, le GP il est à 7h demain. L'écart avec le pilote de devant est de 1,6 secondes. Allez, on remonte petit à petit. J'ai 10 tours pour remonter sur Savzo. Je suis sur le bon continent, envie de crever. L'enfer, je suis pas, t'as voulu le mettre, je pense. Force à toi. Est-ce que ça va se battre devant? Parce que Tiamet était en médium, ça m'étonnerait qu'il tienne. Ah, Skyzy va être dans le DRS de Savzo. Ah, il y a du monde devant. Il va y avoir une bataille devant. Tête de la casse et tout. Oh, 3 secondes pour Ponju, ok. Ah, t'es en Amérique du Nord, mais du coup, tu dois être au Québec ou un truc comme ça. Et t'as le pire horaire vu que c'est... Ah ouais, l'enfer. Ok, il y a deux mecs en médium devant moi.
J'espère que je vais pouvoir les passer sans être dégêné dans les virages. Bah, j'espérais trop. Je vais me catapulter. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,9 secondes. Allez, je veux cette P7. Là, il va l'aider avec le DRS, j'ai le seum. Vas-y, soit tu le ralentis, soit tu le largues. Et l'entre-deux est pas acceptable pour moi. C'est Tiamet devant Skyzy en plus, on peut peut-être le rattraper lui aussi, non? Tu vas mettre 3 secondes devant Skyzy en médium, c'est chaud. Ah, Skyzy peut le choper en vrai. Mais là, Skyzy, ils mettent pas. Skyzy m'aide tellement pas. Ah ouais, il va peut-être lui enlever le DRS là. Allez, vas-y, fais-le. Largue-le. Il a le DRS ou pas? De 50 millième, oh l'enfer! Oh putain, c'est les 50 millièmes qui niquent tout. Le cauchemar. La pire situation, elle est en train d'arriver maintenant. Le mec me met une seconde alors qu'il est plus lent. Juste via le DRS. Allez, je me concentre, je me mets dans ma bulle, j'attaque là. J'ai 5 tours pour faire la diff.
toujours pas. Il l'a pas, let's go, ok. Derrière, il l'a. Non, il l'a pas. Ok, il l'a pas. Ça va être ma seule chance là.
que là, je suis entre deux Aston. Ça va être compliqué. Ah, je vais me faire baiser par les deux Aston là. Je vais quand même le tenter de rester devant, hein, Nick. Il y a eu un crash devant. Oh non, c'est Skazi et Tiamet. Je garde ma batterie pour la dernière ligne droite. C'est pas grave. Ils ont plus rien, ils ont plus rien. Ils ont plus rien, je la tente comme ça. Avec les 20% de batterie, ils vont se gêner. Pitié, gênez-vous. Allez, 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 allez! Let's go! Let's go! On a bien fait de garder le RS! Let's go, la P7! Oh là là, on l'a joué comme il fallait! Ils m'ont laissé l'AT! Oh la vache! Ah, il fallait garder juste le RS! J'ai vu qu'il clignotait, je me suis dit, il n'y a que ça. Moi, je l'ai peut-être un peu poussé, non? Mais vas-y, restez en piste, c'est bon. Oh la vache! Pour une fois que j'ai réfléchi. Pour une fois que j'ai réfléchi, les gars. Pour une fois, je me suis dit... En plus, j'ai été tiraillé, les gars. Je me suis dit, est-ce que je mets un coup de frein pour avoir le DRS? Est-ce que je mets un coup de frein pour avoir le DRS ou pas? Genre, j'ai juste... Je me suis dit, fuck it, je reste devant. Et je joue tout sur le RS à la fin. Oh, oh la vache, t'es là, Skazi? Ouais, je suis là. Pardon, j'ai dû t'abandonner. Faut que tu vois mon finish. Ouais, ça a l'air d'être serré là avec les Aston Martin. Bah, en fait, les deux avaient le DRS sur moi dans la dernière ligne droite. Du coup, j'ai tout gardé niveau batterie. J'ai vu que les clignotaient. J'ai bombardé sur le dernier virage. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as cramé ou quoi? Merci Power pour le sub, merci beaucoup. Sous ton sourire. Bravo le FC, oui, pour une fois que vous êtes récompensé. On s'en sort pas trop mal.
Je suis un peu déçu parce que moi je perds vraiment la P4 voire P3 sur la ligne. Ah mais toi bon. C'est dommage. Il y a eu un crash non? Vous deux? Bah déjà moi on m'a pété mon aileron parce que j'étais en bot et parce que je laguais. Je pense que j'ai eu une attaque hein. Je pense que j'ai une attaque des DOS ou quoi, je sais pas, mais c'est trop bizarre que moi j'étais infecté et personne d'autre. Du coup aileron cassé, puis ensuite bah stratégie de merde surtout hein. Et puis là, du jour. Oh putain. Ah ouais. Par contre je vais m'excuser parce que... Attends, y'a qui? C'est qui que j'ai touché? Y'a Mati. Ah pareil, faut que je m'excuse au niveau de la co. Ouais, je me suis fait attaquer, Bobby. Pendant 3 tours, j'étais full lag, du coup, les gens savaient pas où j'étais et ça m'a mis dans le mur. Donc, unlucky un petit peu. Mais on avait un rythme pas dégueu, hein. Putain, on perd à P4 quand même. Ah putain. Ah je gagne quand même 2 positions juste sur ça hein. Sinon je perdais les 2. En fait ils ont fait l'erreur de me laisser l'intérieur à la fin. Oh, oh la vache, j'ai eu mal au crâne. J'ai tout donné. Et Savzo toi tu l'as trop aidé, ça me rendait fou. J'avais trop le seum. Parce que j'arrivais pas à le lâcher. Ouais non mais ouais, je comprends, avec le DRS c'est un enfer de larguer les mecs. Mais putain, c'était dur à un moment. Ah, le 50 millième, quand tu le lâchais le tour d'avant, c'était beaucoup plus simple. Le 50 millième, là. Bon, je chope 10 points et t'en chope 14, du coup. Yeah, c'est ça. Ça va. C'est par rapport à Ferrari ou ouais, on fait chier. Ouais, mais regarde, on remonte sur Ferrari, on remonte sur McLaren aussi. Ouais, en termes de constructeurs, on est ceux qui font la meilleure opération. Donc, propre. Je me demande si on passe... Non, on passe pas leader, je pense. Mais on revient, peut-être. Oh, je veux revoir le finish. Attendez, je veux revoir le finish. Merci beaucoup d'être passé, tout le monde. Merci beaucoup. Oh, attendez, il faut que je revoie le finish. Pff, attendez. Je veux revoir ce finish avant d'aller dodo et tout. Oh, je sais pas s'il y a la POV des autres. Mais ça, c'est... ça c'est du finish qui finish. J'espère qu'ils ne sont pas... que je l'ai... c'est GB68, GB64. Attendez. Les moustaches. Je vais dire... Moi, je vais revoir pareil, dernier tour. Parce que mes raquettes sont mis dehors. Attends, 2 secondes, je me mute. No, that's a lie, that's 2. J'espère qu'ils ne me trachent pas. I will be at Creative Series on Sunday. But yeah, anyway, so... Next week will be slightly compromised. So no community event next week. I will... If you see the thing on the Discord, I'll delete it. Just a heads up. GG's Peugeot, dude. It was so annoying. We tripped over each other. It was just a misunderstanding between me and Saf. I didn't mean to defend into that corner because I was telling Saf to just go. I was like, yeah, you take the position, that's fine. Like, we'll stay in order. But because we went through side by side, just set you up so nicely. GG's, man. Good finish, good race. Right. We're gonna raid the crate series, chat. I need to get some food, man. Ah, ok, en fait, hungry. Il voulait laisser Savzo passer. Yeah, that was a good finish, dude. There's like, what, 3 of us within like a tenth and a half, 2 tenths. Was solid. C'était incroyable. Dead Rock as well, thanks for the follow. I appreciate that. Attends, je vois. En fait, il a voulu laisser la place à Savzo. Enfin, il lui a laissé l'intérieur et Savzo pouvait pas y aller. Enfin, je pense que Savzo avait plus de jus. Attends, je veux voir. Je veux voir ça. Hein. Lui il me déteste hein. Le Nitro qui dit que j'ai pas de cerveau. Le Nitro je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu dans le chat. Dans son chat il me déteste. Pirja il slow now. Non juste Ah il avait pas le DRS. Il avait plus de batterie non plus. Attends ça c'est incroyable. Oh. Ah tu vois on n'est pas les seuls à avoir un ingé. Attends je vais voir le finish de sa POV. C'est incroyable. Là il avait pas encore le DRS. Il me voit clignoter en plus. Mais personne avait de batterie hein. Là il a le DRS. Eh les gars, heureusement que j'avais un setup léger. Heureusement. J'ai tellement bien fait.
Moi, je veux voir le moment où Savzo me laisse passer, voir si ça se dit « on l'a bien baisé ». Je pense qu'au moment où Savzo me laisse passer, les deux Aston se disent « on l'a baisé, c'est bon ». Il va pas avoir le DRS, il est foutu. Parce que j'ai gardé ma batterie, moi j'étais en mode bon, si je passe pas, c'est pas grave. Si tu passes maintenant, c'est parfait. Tu peux le retrouver. Je pense qu'il est sitting back, though, by the looks of it. Yeah. Ah, tu vois, c'était volontaire, il me laisse passer et tout. Oh, c'est incroyable. Par contre, son volant est trop bien incrusté. Regardez, c'est son volant en fond vert là. C'est son volant à lui. IRL, c'est incroyable ça. Well played, mate. Well played. Yeah, I couldn't let him have it on the final line. I couldn't. Right, it's Hunt. Yeah. Get him, chat. No, he's going slow. He's looking off, I think. I don't know. I'll just look to see more powerful than before. Ah, c'est le dernier tour en plus. Ah ouais, les deux veulent pas me passer. Sorry, mate. I'm not sending it. I'm not sending it. Yeah. My tires are just done. That's why. Okay, I'll go. I'll go. Là tu vois il me passe pas. Oh là 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 là, ça, il me passe pas. Le chat doit être en mode let's go et tout. Oh la clim. Attends. Ah c'est vrai qu'il a pas les pseudos putain. J'avais même pas remarqué. Game, tu vois tout le monde est en mode c'est bon c'est fait. C'est fait. Genre là, c'est fini. J'ai hésité, hein. Ils ont vidé leur batterie pour me passer. Et moi, j'ai tout gardé. Got the exit. Good. Dumping everything, mate. Yeah, same. I got more battery. Oh, this is so close. We've cleared Purdue. Yeah. I'm yielding. Genre là, pour eux, c'est fini. J'ai tout gardé. Et là, ils se sont gênés. C'est la pire erreur. I didn't want to come across and come across your line. Oh, that was so close. Oh my god. Et j'ai de la batterie. Ça donne quoi de leur POV? No. No way, dude. Ah, la clim. Incroyable. Hey, je suis arrivé comme une balle. Yeah, I wasn't going to send it. That's what I mean. I was like, yeah, just take the race and I'd have backed off. If I like come across here and then break a bit too early, that's both of us in the mud in that corner. I just didn't want to risk that. Oh, oh man. That's not ideal. C'est des points importants, là, les gars. Là, il faut assurer les points à chaque fois. It was 2 points we lost, chat. It's not the end of the world, but... Yeah, that's a shame. We could have had big points for the constructors there. Could have had 4 points. And it's just a bit. Oh la 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 la! Obviously, Saf thought that I was. Yeah, I would have just backed off so he could have come across. Attends, est-ce que le cast l'a eu ou pas? It's a shame, chat. I'm not gonna lie. I know it. Ah vraiment? Avouez, c'est un peu dans mes veines. Mais c'est incroyable. Hein. Par contre, c'est une belle bataille. Hein. C'était magnifique. Attendez, on va voir si on a un peu. Est-ce qu'on a eu les caméras ou pas sur nous à un moment? Voilà, là j'étais loin, donc là j'ai pas eu les cams de toute façon. Pas de caméra pour moi, not here. Là on attend la première safety car. Ça se voit, t'es grave fier, frérot, je suis trop fier. En fait, pour une fois que ça tombe pour moi. Trying to make some ground anyway, and he's up into P10. So not much happening in the front currently until we get some DRS action, but a lot happening in the midfield, Chris. Good. Behind, is he challenging with? J'ai pas les caméras. Là, à mon avis, j'ai pas eu les caméras tout le long. C'est quand j'étais en soft à la fin. J'ai fini P7. Pauvre Frati, il a pas eu de chance. Là, je suis encore 18e. Oh, mais par contre, j'ai été sale à des moments, j'ai été mauvais. Putain, j'ai. Mais on a bien fait. Eh, on l'avait prédit. Au moins, on l'avait dit. On avait dit il faut garder les deux trains de soft pour la fin du GP. Oh, Pyrrha, c'est moi. There you go. Thank you for that, Jess. As Alex gets.
Ah non, mais là j'ai pas les softs. Là je fais rien. Tant que j'avais pas les softs, je perdais juste des places. Là je perds des places. Là je perds des places. Et là je vais remonter. Là normalement j'ai les caméras. Là c'est pour les caméras, les gars. Les caméras. Je suis P14. P13. Ok, personne nous voit. On n'est pas assez haut dans le classement pour qu'on nous remarque. Ça fait deux fois que j'ai un photo finish avec Savzo, hein, d'ailleurs au Brésil. Je sais pas si vous vous souvenez. Pas de caméra pour moi. Nos caméras, nos parties. Ah ouais, il y avait de la belle bataille aussi devant, c'est normal. Ah non, il y a eu de la belle bataille. Je pense juste à la fin, ça nous a peut-être regardé. Parce que là, je change pas de position, donc impossible, il n'y a pas de bataille. Là, on cède avec GB. Heureusement que j'ai undercut GB d'ailleurs. Ça aussi, ça joue. Non, je pense qu'ils nous ont pas regardé de toute la course. Par contre, peut-être à la fin. J'ai fini P7. Mais on a fait un finish de zinzin. Ah oui, c'est là. Ah oui, là, c'est le dernier tour. Là, je suis derrière Savzo. The final lap of what's been an absolutely superb race. Race is well further back. Well, not forgetting there are other drivers in this race. Peugeot fending off both Aston Martin, Sasso and GBA all over the Mercedes car. Ah, ils veulent pas me passer, hein. Yes, indeed. Absolutely. Ah, c'est ça qui s'est passé devant. Oh, ah, ça se bat pour le DRS, c'est pour ça. Oh, ça a laissé le DRS en fait. Les deux se sont laissés le DRS. Personne, mais c'est fou, ça l'a fait avec tout le monde en fait. Personne voulait le DRS. Incroyable ce qui s'est passé à la fin. Oh, il s'est fait bait. Est-ce qu'il l'a? Il l'a. Il a le DRS avec de la batterie, est-ce qu'il remonte assez ou pas? Ah, il est loin. Ah bah non, il s'est fait niquer. Oh, il s'est fait niquer de ouf. Mettez-vous sur moi. Il se passe un truc de ouf derrière, vous le voyez pas? Oh, ils ont pas vu ça. Oh, ils l'ont pas vu. Les gars, vous avez loupé un finish de ouf. Ah putain, on n'est pas passé à la télé. Ah putain, c'est... Tu vois, c'est la seule déception de la soirée, c'est de pas être passé à la télé. Et là, ça me rend triste. Et là, un peu... Là, on est déçu. Là, on est... Le mec pour les cams. Ah putain, non mais c'était incroyable. Ah, j'ai pas eu mon orgue de gloire, les gars. On l'aura sur la chaîne YouTube de la Creator Series, où les gens verront ce finish de fou. Ah, j'ai ruiné la course de Mati. Attendez, je m'excuse. En vrai, ouvre ta fenêtre et saute, t'inquiète, une CAF CO. Même pas sûr. Reste pour l'interview, non. J'ai pas d'interview. Ah si, non, mais je suis pas pilote du jour sur le stream. C'est différent. 0,86, 0,60. C'est un truc de fou, hein.
Le finish est zinzin. Le finish est fou. Vas-y les gars, en vrai on va couper parce que je vous rappelle que demain on a tous un Grand Prix à regarder à 7h du matin. Hein. Faut aller dormir, les gars. Il nous faut nos heures de sommeil, c'est important d'avoir 8h de sommeil. Donc on se dit à demain soir pour la qualif du tournoi d'Inox. On va la retenter. Cette fois-ci on lancera bien avant je pense la qualif. J'ai mis 19h mais en vrai je vais lancer bien avant. On va faire de la ranked en diamant parce que ça a à peu près le même niveau que sur les qualifs. Et on va essayer de régler du diamant pour level up un peu avant la qualif, pour avoir une strat, une run et tout. On va essayer de faire ça. Merci beaucoup d'avoir été présent. C'était une course de zinzin. Vous êtes très présent à chaque fois sur la Creator Series. Donc je vous remercie. J'espère que ça vous plaît. Je vais, comme j'avais dit la dernière fois, je vais essayer de les sortir sur YouTube en condensé. Mais c'est moi qui vais faire le montage. Donc je vais sûrement faire ça durant les vacances d'hiver. Pour essayer de bombarder un peu. Et ce sera pas un montage très poussé sauf en intro. C'est histoire d'avoir des courses résumées un peu plus proprement. Bref, faut que j'aille faire pipi, j'en peux plus, j'en ai mal au ventre. Les résumés TikTok, ça va continuer. C'est juste je suis un peu à la bourre pour les sortir. Mais il y aura tout sur TikTok aussi. Les résumés TikTok, je vais les faire là demain, je pense. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci Red Dead. Merci pour les subs. Merci pour tout. Voilà, je sais jamais comment finir mon stream. Donc, salut. Voilà, bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Replay pour une exclamation Replay. Voilà, si jamais. Bisous.